Bonjour à tous. En ces moments du 10 Shvat, le 10 Shvat qui est le début d'une nouvelle ère, celle qu'on appelle la 7e génération. En effet, dans le dernier discours chassidique qui est appelé un Mahamar, le rabbi précédent ne pouvait plus parler, écrivait, qui avait édité pour le 10 Shvat 1950, 5710. Le rêve précédent écrit dans ce discours, Bati le ganya chotikala, je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée, explique que ce jardin, il s'agit de ce monde, dans ce monde où Dieu résidait, puis par les premières fautes, la shrina, la présence divine, est remontée, jusqu'au septième ciel, jusqu'à ce que viennent sept tzadikim. C'est sept juste jusqu'à Moshe Rabbeinu qui est le septième. Et ajoute Vechol Hashivin Chavivin. Et tous les septièmes sont chéris devant Dieu. Qui a refait descendre la Shrina sur terre, cette présence divine par le don de la Torah. Commente que par la septième génération, justement, la présence divine, la Shrina, redescend sur terre. Un an plus tard, le Rabbi reprend ce discours et va commenter et va l'expliquer, mais en expliquant surtout que Kol Hashvin Chavivi, que tous les septièmes sont chéris, c'est-à-dire que nous commençons à une nouvelle génération, quelque chose de nouveau. C'est vrai, la Chassidoute a été dévoilée depuis l'Admor HaZaken. Depuis l'Admor HaZaken et les rabbis qui l'ont suivi. Mais arrive cette septième génération, Kol Hashvin Chavivi, où tous les septièmes sont chéris. C'est-à-dire où une force spéciale, cette force de refaire descendre la Shrina sur terre, cette force de faire résider Dieu comme au moment de la création. C'est-à-dire que la Torah est la mitzvah que nous appliquons dans ce monde, nous, aujourd'hui, qui faisons partie de cette septième génération, a une force beaucoup plus forte et beaucoup plus grande que les années précédentes, que les générations précédentes. Notre génération, c'est celle qui fait descendre la Shrina, la présence divine sur terre. En effet, c'est un travail qui est donné à chacun d'entre nous, d'agir et de faire pour rendre ce monde meilleur, pour transformer l'obscurité en lumière, pour transformer l'amertume en douceur, pour rendre ce monde le réceptacle adapté à la lumière divine. Et en effet, nous voyons comment durant cette septième génération, le Rabbi a œuvré en envoyant ses shluchim à travers le monde, en utilisant toute la technologie au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'elle se développait, afin de diffuser la Torah, afin de diffuser la mitzvah, afin de prendre ce monde et le rendre une demeure pour Dieu. C'est là un petit peu notre message du 10 Shvat, qui est l'anniversaire de cette septième génération, qui est l'anniversaire de cette transformation, qui est prendre ce qui est entre nos mains, prendre ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a créé, la technologie, la nouvelle technologie, ne pas être effrayé du monde, mais au contraire, l'utiliser pour le service de Dieu, l'utiliser afin de faire résider Dieu dans ce monde et jusqu'à la venue du Mashiach. Bonne journée à tous.